Every wine region of Switzerland has like some characteristic, and interesting here in Geneva is that there are many different grape varieties. You have some international varieties, you have some local varieties. It's a big portfolio of different wines and styles you can find here. À Genève, nous avons un climat assez difficile pour la vinification. On se rend compte qu'il y a un énorme travail, non seulement dans les vignes qui doit être fait, mais aussi dans la cave après par le vigneron pour arriver à la qualité qu'on trouve aujourd'hui dans les vins de Genève. C'est clair que le climat, c'est une part importante du résultat qui sera dans la bouteille, du vin qui sera produit, qui sera élevé. La matière première va faire que y a des années qui seront, comme je disais, plus faciles, d'autres un peu plus compliquées. Ici, on a la chance d'être vraiment un peu au milieu de l'Europe. Donc, des années, on va ressembler à des vins plus du sud parce qu'on aura eu très chaud pendant toute l'année viticole. Des années, le climat il sera moins favorable, comme aujourd'hui, par exemple, un peu plus froid, un peu plus pluvieux. Et puis, des fois, on va arriver à plutôt des vins comme un peu l'Allemagne. Grape is a tree. The grapes is from the family of the trees, and what happens with trees if you don't cut them, they grow. So in the beginning of the year you cut the grape a little bit because it's a cultivated tree, and so you cut the stems, and because the plant goes very deep down with her roots to catch the water up, so when you cut her she starts to cry. In 24 hours almost a liter of water can come out of this cutting spot, but you have to do it to control how she grows, how many grapes she will have during the year, what quality of the grapes they are, so you cut her usually during February, beginning of March. Alors la particularité de Genève, c'est vraiment la diversité de l'encépagement. On a la chance de pouvoir planter plus ou moins n'importe quel cépage, donc ça, on a une grande diversité. Moi, à l'heure actuelle, sur 8 hectares et demi, je me retrouve avec 5 cépages différents de blanc, 7 ou 8 de rouge, donc c'est une particularité qu'on a et puis qu'on conserve. So in a way, we in the end, we just see a grape and we don't know the quality really, how she is or what wine we do. But to define what the quality of a grape is, there are many steps ahead you have to plan. Like first of all, in which soil do you plant? How is the sunshine falling on the plants? And for example, how many plants you put in a square meter or in a square kilometer? Also how many grapes you leave on a plant? So it's a huge puzzle of many, many decisions that in the end define the quality of the wine. Alors ça donne des vins quand même avec une structure assez bien développée, toujours avec un degré d'alcool qui est entre 13 et 14 volumes pour cent. C'est-à-dire c'est quand même des vins de garde. Mais j'aimerais peut-être de dire ça pas uniquement pour les vins de Genève. Tous les vins suisses aujourd'hui seront dans cette catégorie-là. Et moi, je dis toujours... Comment on peut dire ça en anglais? Les vins suisses, c'est the best kept secret all over the world in the wine world. Sometimes I love to take a minute when I have a glass of wine in front of me and think about all the work that has
to be done that you have this result. Till the wine is in this glass, it takes years, it takes many decisions, it takes the wine grower suffers. Sometimes there is a bad weather or hailstorms or bird eating his grapes or he harvested too late or too early. Every year, so every harvest, you do a lot of decision to get the best possible wine. And sometimes when we drink the wine, I think we should think a little bit how much time it takes to do this wonderful product.